Bienvenue dans cette émission Espoir. Quand il n'y a pas l'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Cette émission est là pour vous donner l'espoir, mais de l'espoir en Jésus-Christ. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. J'aimerais bénir en fait toutes ces personnes et je vous dire que nous sommes dans un temps de grâce, nous sommes dans un temps de gloire où Dieu est encore en train de nous amener dans une période où nous devons aller beaucoup plus loin. Dieu nous amène dans une période où nous allons beaucoup plus haut. Dieu est en train de transformer complètement nos vies. Dieu est en train de changer nos cœurs, Dieu est en train de changer nos pensées complètement. Et j'aimerais vous dire d'être prêt. Nous sommes le réveil des nations internationales et nous avons des campus partout dans le monde. Et un des campus que nous avons donc est en Guadeloupe, au 13 acres du gazon de Bourgogne, Petit Pérou, Les Abîmes. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez d'ailleurs les salutations de tous les réveils des nations partout dans le monde. Nous sommes en synergie, nous travaillons tous ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je vous assure que Dieu est au contrôle. Dieu bénit encore aujourd'hui. J'aimerais donc dire à quelqu'un qui n'a pas l'espoir, j'aimerais dire à quelqu'un qui pense avoir perdu l'espoir, qui pense que Dieu n'est plus là, qui pense que Dieu n'agit plus, qui pense que Dieu n'intervient plus, j'aimerais te dire qu'en fait tu as tort de penser ainsi, parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui, c'est pour ça que je te donne cet espoir-là. Et cette émission, je la commence justement pour vous partager cela en vous disant qu'écoutez, nous sommes dans un temps où c'est vrai que c'est compliqué, nous sommes dans un temps où c'est vrai que c'est difficile, c'est peut-être dur mentalement dans ce temps comme celui-ci, c'est peut-être ça nous demande beaucoup d'énergie dans ce temps parce qu'il faut seulement, non seulement gérer le gouvernement, il faut gérer les décisions, il faut gérer la presse, il faut gérer notre propre famille, il faut gérer tellement de trucs. Mais j'aimerais vous dire et vous assurer que Dieu est sur le trône. Et tant que Dieu est sur le trône, tout va aller pour le mieux. Tant que Dieu est sur le trône, les choses iront encore de gloire en gloire. Tant que Dieu est sur le trône, tout va aller pour le mieux, je vous assure. C'est pour ça que tu es assis derrière ton écran et tu es en train de te poser des questions. Tu étais peut-être dans un questionnement et tu te posais la question à savoir comment cela va se faire, comment cela va se passer, comment les choses vont changer, comment les choses vont s'améliorer. J'aimerais te donner une assurance quelconque que Dieu va arranger les choses. D'ailleurs, Dieu, toutes choses, la Bible dit, un de mes meilleurs versets que j'aime beaucoup lire dans la parole de Dieu, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme tu aimes le Seigneur, toutes choses vont concourir en ton bien. C'est pour ça que peu importe l'état dans lequel nous sommes, les choses ne seront pas toujours pareilles. Et je le répète encore, les choses ne seront pas toujours comme ça. Les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Nous allons aller de gloire en gloire, nous allons progresser. Je vous assure que nous allons progresser. Ne vous inquiétez pas. Alors je donne un encouragement à quelqu'un qui est à la maison actuellement. Je donne un encouragement à quelqu'un qui vit de l'oppression actuellement. Je donne cet encouragement à quelqu'un qui est oppressé dans son corps, oppressé dans son âme, ou bien oppressé même dans son esprit. Et je suis venu pour te dire que peu importe l'oppression que tu as, la nuit ne dure jamais longtemps. Même si la nuit finit par durer un moment, le jour finit toujours par se lever. Même si la nuit dure pendant combien de temps, je ne sais pas, il y a toujours le jour qui finit toujours par se lever. Il n'y a jamais eu deux nuits de suite. Quand il y a le noir, il y a la lumière qui arrive par la suite. J'aimerais donc te dire que même si tu vois le noir dans ta vie, maintenant, même si c'est peut-être noir, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie est noir, je ne sais pas quel domaine de ta vie c'est peut-être compliqué, mais j'aimerais te dire qu'en fait ton film est en train de commencer. Ton film est en train de commencer. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire des choses d'une manière où, peu importe ce que tu as, le niveau, le degré où tu es actuellement, Dieu va te bénir d'une manière particulière. Et c'était important pour que je le mentionne encore ce matin. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire dans le cadre de cette émission, justement, un passage merveilleux. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, je parle de la puissance du Saint-Esprit. La dernière émission, j'ai parlé de la peur. Je vous ai enseigné que la peur tue plus de personnes que toutes les maladies dans le monde. La peur tue plus de personnes que le coronavirus. La peur tue plus de personnes que la malaria. La peur tue plus de personnes que le VIH, SIDA. La peur tue tellement plus de personnes. C'est pour ça que dans ce temps, nous ne devons pas avoir peur. Ne laisse pas que la peur détruise ta vie. Ne laisse pas que la peur détruise ce que tu as dans la tête. Ne laisse pas que la peur détruise complètement ton univers. Ne laisse pas que la peur t'affecte. C'est pour ça que je reviens encore en te disant, oublie la peur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai abordé, un thème que j'ai abordé depuis dimanche, la puissance du Saint-Esprit en nous. Et la Bible dit dans Actes, le chapitre 1,
Alléluia. Acte le chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je répète encore, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ce temps. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te conduire. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quelle décision tu es ou quelle décision tu as à prendre. Je ne sais pas quelle étape de ta vie tu es. Je ne sais pas à quel moment, à quel niveau de ta vie tu es actuellement. Mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur. Tu as besoin que le Saint-Esprit te dirige. Tu as besoin que le Saint-Esprit dirige tes pas. On a beau dire bien-aimé dans le Seigneur. Et je n'aime pas trop la connotation qu'on a aujourd'hui quand on parle de Saint-Esprit. On a l'impression que quand on parle de Saint-Esprit, on voit des gens qui parlent fort. On voit seulement des gens qui parlent en langue. On voit seulement, non en fait. Bien aimé, je crois que dans ce temps, on ne doit pas seulement créer des théologiens. On ne doit pas seulement créer des chrétiens ou des croyants qui mémorisent les versets bibliques dans la tête. On ne doit pas seulement créer des croyants qui disent Jésus, Alléluia à chaque phrase. Vous savez, il y a souvent certains croyants où à chaque phrase, ils disent Alléluia. À chaque message, ils disent bonjour, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Ou encore, bonjour à tous. Comment allez-vous, Alléluia, etc. Bien aimé, ce n'est pas ça exactement être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Dans ce temps, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, il te donne une certaine intelligence, il te donne une certaine grâce, il te donne, en fait, tu dois impacter le monde. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton lieu de travail, ça se voit. Partout où tu es, ça se voit. Je crois qu'aujourd'hui, on doit arrêter seulement de produire des personnes, des croyants qui mémorisent la parole de Dieu. D'ailleurs, qui mémorisent seulement des fois les versets seulement qui les intéressent. Mais créer des croyants qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et tu es là en train de me dire, tu ne sais pas trop c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de raconter, la puissance du Saint-Esprit c'est quoi? Bien aimé, c'est une puissance de Dieu qui vient sur toi, où Dieu libère son esprit sur ta vie et tu deviens complètement puissant aux yeux des hommes. Ça veut dire que tu fais des choses que les gens n'attendent même pas que tu puisses faire. Ton intelligence est décuplée, ta sagesse est complètement décuplée. Automatiquement, tu commences à agir d'une manière que les gens ne comprennent pas, mais ça fonctionne. Bien, mais tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que la puissance du Saint-Esprit puisse agir en toi. Quand le Saint-Esprit agit en toi, j'aimerais te dire que même si tu pensais ne pas être capable de faire quelque chose, tu seras capable de le faire. Et c'est un message même que j'envoie à toutes ces personnes où tu te dis que tu n'es pas bon, tu te dis que tu n'es pas le meilleur, tu te dis que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire, tu te dis que tu n'as pas tous les éléments qu'il faut pour commencer, tu n'as pas tout ce qu'il faut bien, en fait tu te minimises des fois. J'aimerais te dire de ne pas te minimiser. Quand le Saint-Esprit entre en toi, bien, mais peu importe ce que tu avais, peu importe les erreurs que tu as fait, peu importe les compétences que tu penses ne pas avoir, Dieu te donne l'inspiration divine pour pouvoir faire ce genre de choses. Et quand je prêche à l'église, je donne l'exemple simple. Hein. L'exemple simple, c'est on n'a qu'à voir le Titanic et l'arche de Noé. Le Titanic a été fait par des professionnels et l'arche de Noé a été fait bien mieux par un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que le Titanic est maintenant dans l'eau et l'arche est encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, comprend quelque chose. Et tu peux être un amateur, mais un amateur rempli de l'Esprit de Dieu, ça fait toute la différence. C'est pour ça que toi qui étais là en train de te poser la question, mais tu n'es pas assez bon, tu n'es pas plus bon que tel, tu n'es pas plus meilleur que telle personne, tu n'es pas plus excellent que telle personne, tu n'es pas si... Et encore plus dans cette pandémie, vient nous oppresser encore. On commence à perdre espoir. Laisse-moi te dire que la puissance du Saint-Esprit agit dans ta vie maintenant et tu es meilleur que tout les autres. J'aimerais te déclarer cela. Et c'est pour ça que je prophétise sur chaque personne qui est en train de me suivre. Il était important que je parle de ce message aujourd'hui. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi, la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne dans ton cœur. Tu as besoin d'accepter cet Esprit de Dieu dans ta vie. Et je t'assure que les choses seront différentes. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, on refuse les autres, toi on t'accepte. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, on recale les autres personnes.
Seigneur, toi tu as accepté. On refuse les autres dossiers, c'est ton dossier. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit est telle que quand il est en toi, il agit en toi. On voit la manifestation de la puissance de Dieu. On voit la démonstration justement de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui se sont moqués de toi hier, aujourd'hui vont voir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ceux qui ont rigolé de toi hier vont voir comment Dieu t'utilise maintenant. Vous savez, ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un ne croit pas en moi au début. Quand quelqu'un pense, et quand je dis que je parle de mon projet à quelqu'un, il dit écoute, ça ne va pas se faire, ça ne pourra pas se faire, ou encore ça ne pourra pas arriver parce que tu manques de ça. Ça me fait tellement plaisir parce qu'il y a une joie immense à faire les choses que les gens ont dit que tu ne pourrais jamais faire. Je t'assure, il y a une joie, c'est tellement agréable de pouvoir accomplir des choses que les gens ont dit que tu ne pourrais jamais faire. Laisse-moi te dire alors que tu as quelque chose que tu voulais faire, que les gens ont dit que tu ne pourrais jamais faire. La puissance du Saint-Esprit en toi aujourd'hui te permet de l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tu es en train de dire amen. Tu as envie de faire des trucs où tout le monde autour de toi, ils savent que c'est impossible. Laisse-moi te dire que c'est alors là que c'est ça, ce genre de situation que Dieu aime. Parce qu'il prend ces situations-là. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça vient complètement changer la vie. Ça vient changer le cours des choses. Où l'impossible devient possible. Tu as besoin de cette puissance que tu reçois. La Bible déclare, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans un temps comme celui-ci, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin que la puissance du Saint-Esprit puisse te diriger. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là, tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas dans quelle voie aller. Tu ne sais pas quel chemin choisir. Tu ne sais pas tu es dans une confusion, tu es dans un carrefour de ta vie. Dans le carrefour de ta vie dans lequel tu es, en fait, tu es complètement déphasé. Tu es complètement perdu. Et ça, à ce moment-là, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te donner la direction. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te donner, en fait, cette force directionnelle d'aller là, d'aller ici. Une chose que vous devez savoir, parce que j'entends encore, c'est un discours que j'entends beaucoup de personnes avoir, on attend que quand ça va s'apaiser, on attend quand le monde va changer, on attend quand les choses vont s'améliorer. Bien aimé, le monde, la vie ne deviendra pas beaucoup plus facile. Je vous assure, la vie ne deviendra pas beaucoup plus facile. Le monde ne deviendra pas beaucoup plus simple à comprendre. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que c'est toi qui deviendras plus fort. La vie ne deviendra pas plus facile. On ne va pas moins te persécuter. On ne va pas moins te critiquer. On ne va pas moins, en fait, si tu penses qu'un jour on va arrêter de te critiquer, tu as tort. On ne va pas arrêter de le faire. Une fois que quelqu'un arrête, l'autre commence. Mais par contre, c'est toi qui deviens plus fort. C'est ton caractère qui est bâti, qui devient plus fort. Et le Saint-Esprit est là pour te donner ce caractère-là, afin que même quand ils viendront encore te critiquer, quand ils viendront encore vouloir détruire tes choses bien, mais tu seras assez fort mentalement. Je ne te demande pas d'avoir forcément confiance en toi, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on donne. Et effectivement, la confiance en soi est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que si tu as justement, ayant cette confiance en toi, bien, tu peux faire certaines choses. Mais quand tu viens, quand tu comprends la logique de Dieu, quand tu comprends la logique de la parole de Dieu, Dieu ne t'a jamais dit d'avoir confiance en toi. Dieu t'a dit d'avoir confiance en lui. C'est pour ça que je viens parler à toutes ces personnes. Même si tu n'as pas confiance en toi, même si tu n'as pas confiance en tes capacités, même si tu n'as pas confiance en tes compétences, aie confiance en Dieu, parce que Dieu est capable, bien aimé dans le Seigneur, de décupler tes capacités. Aie confiance en Dieu, même si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en Dieu, aie confiance en ce Dieu-là qui t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, aie confiance en ce Dieu qui t'a placé dans cette situation-là, aie confiance en Dieu. Aie confiance en la puissance du Saint-Esprit. Même si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en Dieu. Parce que Dieu est capable de le faire. D'ailleurs, même, il y a quelque chose que j'aime souvent beaucoup dire à l'église. C'est que Dieu n'appelle jamais les personnes qualifiées. Dieu n'appelle jamais les personnes seulement qualifiées, mais en fait, Dieu qualifie ceux qu'il appelle. C'est-à-dire que Dieu n'appelle jamais seulement les personnes qui sont déjà qualifiées. Dieu qualifie les appelés. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu te donne la possibilité, quand il t'appelle, il te met sur un chemin où tu apprends et automatiquement, la puissance du Saint-Esprit en toi fait toute la différence. C'est pour ça que je viens prophétiser sur une personne et déclarer sur ta vie. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit en toi maintenant se décuple au nom de Jésus-Christ. Et comme la Bible déclare que la terre entière attend après la manifestation des fils de Dieu. La terre attend après ta manifestation. Que le Saint-Esprit en toi se décuple d'une manière particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Tu dois comprendre quelque chose. Nous vivons un temps où tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Que le Saint-Esprit te conduise. Tu as besoin de prendre des décisions à inspirer de l'Esprit de Dieu. Ne prends pas seulement des décisions en fonction de ce que tu as dans la tête. Demande à l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de te diriger. Le problème de toute la Bible, le problème de tous les chrétiens, le problème des disciples même dans la parole de Dieu, quand ils venaient voir Dieu, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils venaient voir Dieu déjà avec une réponse dans la tête. Ils ne venaient pas voir Dieu avec une question, avec un questionnement. Bien-aimé, ne viens pas voir Dieu, ne prie pas en ayant déjà les réponses dans ta tête. Ne prie pas en ayant déjà des présomptions dans ta tête. Prie avec des questionnements. Demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi la direction aujourd'hui? Dans quelle direction je dois prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie relationnelle? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie professionnelle? Pose la question à Dieu pour que Dieu puisse te répondre. Beaucoup de problèmes aujourd'hui ont fait surface parce qu'on a pris des décisions sans demander à l'Esprit de Dieu, sans consulter le Saint-Esprit. On a pris des décisions comme ça à la va-vite. Bien, mais si tu avais consulté le Saint-Esprit avant d'entrer dans ce travail, tu n'aurais pas eu ce genre de problème. Si tu avais consulté le Saint-Esprit avant de continuer cette relation pour qu'il t'avait déjà prévenu d'arrêter, mais comme tu t'es entêté, tu es quand même rentré dedans, tu ne serais pas malheureux aujourd'hui, tu ne serais pas malheureuse aujourd'hui. Si tu avais consulté le Saint-Esprit avant de prendre cette route, avant de prendre le chemin que tu dois prendre, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, décide que le Saint-Esprit doit conduire ta vie. Parce que Dieu te connaît mieux que personne. La Bible déclare que les plans que Dieu nous réserve sont des plans de bonheur afin de nous donner un avenir rempli d'espérance. Ce n'est plus le temps de prendre des décisions seulement à la va-vite. C'est le temps d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, conduis-moi dans la bonne personne à qui choisir. Conduis-moi, montre-moi la personne. Montre-moi le travail. Viens vers Dieu avec une question. Et c'est pour ça que je prie pour toutes les personnes qui sont en train, qui sont dans un questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois faire ceci? Je prie que l'Esprit de Dieu puisse réellement te combler, que l'Esprit de Dieu te donne la direction à prendre. Vous comprenez, en fait, il y a quelque chose en fait de particulier. Les chrétiens aujourd'hui ne posent plus la question à Dieu. Dans leur tête, ils assument que voici comment Dieu veut agir. Voici comment Dieu veut se comporter. Voici ce que Dieu veut faire. Tu viens, bien-aimé, avec une attente venant de Dieu, avec un questionnement. Qu'est-ce que tu dois faire? Je t'assure que si tu avais posé la question à Dieu avant de rentrer dans cette relation, tu n'en serais pas là. Et plusieurs d'entre vous, Dieu t'a même prévenu que là où tu vas là, ce n'est pas bon. Mais comme toi en fait, tu as peur de rester seul. Mais comme toi, tu avais peur de rester tout seul, bien tu avais peur de ne plus trouver quelqu'un d'autre. Tu pensais que tu allais quand même rentrer dedans et te voilà aujourd'hui. C'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, mais ne faisons pas la même erreur deux fois. Bien, mais quand tu fais une erreur plusieurs fois, ce n'est plus une erreur, ça devient un choix, ça devient une décision. Ne prenons plus des décisions à la va-vite et aussi ne laissons plus la vie simplement décider pour nous. L'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Le fait que tu ne choisisses pas pour toi, c'est un choix. Le fait que tu ne demandes pas, c'est un choix. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit maintenant te dise quoi faire, que le Saint-Esprit te donne une direction à faire, que le Saint-Esprit te donne exactement là où tu dois aller, exactement la décision que tu dois prendre, la personne que tu dois recruter, la personne que tu dois accepter dans ta vie, que le Saint-Esprit puisse te diriger. Et je prie que le Saint-Esprit puisse diriger vraiment nos personnes qui sont élevées dans nos gouvernements, que le Saint-Esprit leur donne encore plus de sagesse afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ce temps. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Ne prends pas seulement des décisions au hasard. Ne prends pas seulement des décisions en fonction de tes désirs. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Ici, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te demande que ce qu'il a déjà placé à l'intérieur de toi. Dieu ne te demande ce qu'il a déjà placé en toi. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas confiance, tu te dis que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Dieu ne te demande pas forcément d'avoir confiance en toi dans ce temps. Dieu te demande d'avoir confiance en lui. Aie confiance en lui. Aie confiance qui va placer les bonnes personnes vers toi. Aie confiance qui va placer les bonnes personnes sur ton chemin. Aie confiance qui va placer les... Bien-aimé, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire.
La Bible déclare qu'il nous enverra le Consolateur. Et le Consolateur est là, ce Saint-Esprit est là pour nous conduire. C'est pour ça que je prie et je bénis chaque personne ici présente qui sont en train de m'écouter, qui sont dans un carrefour de leur vie. Tu es au carrefour de ta vie où tu es en train de tourner en rond, tu ne sais pas quoi faire. Tu es au carrefour de ta vie où tu ne sais pas si tu dois partir ou rester. Vous savez, l'une des décisions les plus choquantes, les plus accablantes de toute notre vie, c'est de savoir si on doit attendre ou si on doit quitter. Mais pour cette décision, en fait, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es dans un carrefour de ta vie où tu ne sais pas quoi faire. À la place de te lamenter, à la place de réfléchir, bien, demande. Mets-toi à genoux, demande, dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Arrête de venir vers Dieu avec, déjà avec des réponses. Viens avec des questions en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ici? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là? Seigneur, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois... Demande à l'Esprit de Dieu de le faire, de te conduire. Tu as besoin de la direction divine. Je t'assure, tu as besoin de la direction divine. Et je viens parler, et ça je parle aux croyants, je parle même aux non-croyants. Parce que les questionnements de la vie, bien aimé dans le Seigneur, que tu sois chrétien, que tu sois non-chrétien, que tu sois croyant ou pas, que tu sois croyant, pratiquant ou pas, nous arrivons tous dans un moment de notre vie où on a besoin de réponses à nos questions. Aux questions de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est quoi notre mission de vie? Et ça c'est même l'une des questions les plus complexes pour lesquelles tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir tout dans ce monde, mais si tu ne découvres pas ta mission, tu es un échec. C'est la différence entre l'échec et la réussite. Un oiseau peut avoir tout ce qu'il veut dans le monde. Un oiseau peut avoir tout, peut avoir les biens, peut avoir toutes les Mercedes, peut avoir toutes les BMW, peut avoir toutes les maisons, toutes les villas du monde, les immeubles même. Mais si cet oiseau ne vole pas, il est en échec. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Un oiseau peut avoir tout ce qu'il veut dans le monde. Mais si cet oiseau ne vole pas, il est en échec. C'est pour ça que tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ce temps, où tu dois aller dans ce temps. Et ne mets pas ta confiance aux gens qui sont dans le monde, ne mets pas ta confiance forcément aux choses qui t'entourent. Mets ta confiance en Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, moi, ma confiance en Dieu, je n'ai pas peur que le gouvernement s'effondre ou pas. Ma confiance n'est pas dans un gouvernement quelconque. Ma confiance est dans un gouvernement éternel. Ma confiance est en Dieu. Qui est la pandémie ou pas, qui est la crise ou pas, je n'ai pas peur, bien aimé dans le Seigneur, parce que je n'ai pas, ma confiance n'est pas basée en fonction du monde, ma fonction n'est pas basée en fonction d'un homme, ma confiance n'est pas basée en fonction de quelqu'un qui prend les décisions, à quelqu'un d'un président, ma confiance est placée en Dieu qui contrôle ce président. J'aimerais te dire en fait, n'aie pas peur bien aimé parce que tu vois comment il y a le vent en train de se bousculer, il y a des choses qui se passent, tout se bouscule autour de toi. Non, mets ta confiance en Dieu. D'ailleurs, une chose que je vous ai toujours répétée, ne mets jamais ta confiance en quelque chose de temporaire, quelque chose qui est temporaire, ne mets jamais ta totale confiance dans quelque chose de temporaire. Le gouvernement est temporaire, les présidents sont temporaires, ils sont tous temporaires, mais Dieu est éternel. Et c'est l'idéologie justement qu'on prenait ensemble, où je disais qu'un arbre, un oiseau qui est perché sur un arbre, même s'il n'a pas peur du vent, il n'a pas peur que l'arbre tombe, il n'a pas peur que l'arbre s'effondre, il n'a même pas peur que l'arbre brûle. Parce que la confiance de cet oiseau n'est pas dans l'arbre, mais plutôt dans ses propres ailes. Donc peu importe si l'arbre tombe, peu importe si l'arbre descend, peu importe si l'arbre brûle, il sait que Dieu lui a donné des ailes pour s'envoler. Et j'aimerais te dire justement la même chose. Même si ce monde est compliqué, même si ce monde est en train de basculer, même si les gens pensent que le monde est dans le chaos, bien aimé, ta confiance n'est pas dans un monde quelconque, ta confiance n'est pas dans un gouvernement quelconque, ta confiance est en Dieu. Et tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi pour te guider, tu as le Saint-Esprit en toi pour te conduire. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi pour te dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Ta confiance n'est pas dans un monde quelconque, mais ta confiance est en Dieu. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, souvent quand les gens viennent me voir, ils paniquent en disant que, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire, homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le monde s'écroule. Je dis, écoute, ma confiance n'est pas dans un monde. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, ma confiance est en Dieu. Et je sais qu'il trouvera une solution pour moi. Même si les autres tombent, Dieu trouvera une solution pour moi. Même si les autres font ceci, Dieu trouvera une solution pour moi. J'aimerais prier et déclarer sur toi. Je prophétise donc que même si les autres font quoi, toi, Dieu va te préserver dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que les gens, toi, Dieu va te préserver. Dieu va te préserver d'une manière particulière, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de pouvoir raisonner maintenant, que le Saint-Esprit augmente la sagesse en toi, que le Saint-Esprit augmente l'intelligence dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te diriger d'une manière comme tu n'as jamais été dirigé, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est en train, il dirige nos pas.
il ouvre nos yeux et il dirige nos pas. Marche par le Saint-Esprit, oh, je t'assure que tu auras moins de problèmes. Marche dans le Saint-Esprit, je t'assure que tu auras moins la difficulté avec certaines personnes. Marche par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'as entendu aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu dois oublier tout ce que j'ai dit et retenir une seule chose, retiens seulement que ne mets pas ta confiance en un gouvernement quelconque. Ne mets pas ta confiance en un truc quelconque. Ne mets pas ta confiance en peu importe, mets ta confiance en Dieu. C'est pour ça que je bénis tous les téléspectateurs ici présents et je viens prier que Dieu réellement vous conduise. Je viens prier que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de nos vies, de vos vies. Nous sommes le réveil des nations internationales situé au 13 acres du gazon de Bourgogne, Petit Péril aux Abîmes. Et je suis là bien aimé pour vous enseigner, pour vous amener encore plus loin. Quand il n'y a pas l'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. La foi vient parce qu'on entend, mais la foi reste parce qu'on comprend. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas quitter ce plateau comme sans bénir le public. Sans bénir toutes les autorités de notre île, des Antilles, sans bénir les autorités, le président, je bénis toute personne au nom de Jésus-Christ, je bénis le préfet, je bénis tous les maires, toutes les personnes qui prennent des décisions qui influent nos vies, je vous bénis au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous donne la sagesse nécessaire pour nous conduire, je bénis encore tous les policiers, tous les gendarmes, tous les ambulanciers, etc., le corps médical, je vous bénis, que le Saint-Esprit vous donne encore plus de sagesse, vous remplit de sagesse pour bénir, je bénis les Antilles. Les Antillais sont bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis la terre de la Guadeloupe. Je bénis la Martinique. Je déclare que vous êtes bénis. Et Dieu agit ici. Il agit encore aujourd'hui. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Pour toute information, je vous invite à appeler au 06 90 le 52 97 63 ou encore le 06 90 00 82 76. Que Dieu vous bénisse à une prochaine émission. Every praise is to our God.